Bonjour tout le monde, voilà que tal, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo vlog, parc d'attraction, parce que je suis à Disneyland Paris pour la saison de Noël. Cette fois-ci je suis avec ma copine, pas comme cet été où j'étais tout seul, donc on va profiter à deux. Et je vais vous filmer tout ça, je vais filmer la parade de Noël, le feu d'artifice le soir, parce que ça faisait 2 ans qu'il n'y avait plus de feu d'artifice. Je vais filmer aussi les belles décorations, j'espère que ça va bien se passer. Ça va être un séjour magique. Là, il y a un peu de monde, je crois qu'il va y avoir 50 000 personnes dans la journée. Mais bon, c'est comme ça, on va faire au mieux. Allez, on se retrouve à l'intérieur. Magnifique. La nuit ça va être encore plus magnifique parce qu'il y a des lumières partout. Il y a derrière moi il y a le sapin géant et là il y a tout Main Street qui est décoré pour Noël quoi. Il y a des sapins, des petits sapins partout, il y a des guirlandes un peu sur chaque bâtiment et donc c'est magique et j'ai hâte de voir ça ce soir parce que avec toutes les lumières ça va être fait. Bon, allez, on continue, on va voir qu'est-ce qu'on va faire parce que mais comme j'ai dit il y a pas mal de monde donc allez on continue. Là on s'est arrêté à une petite charrette qu'il y a dans Frontierland pour acheter le beignet de Noël et les deux sapins en pain d'épices et du coup on va goûter ça parce que là on a faim, il est midi mais bon il y a tellement de monde qu'on va pas manger maintenant donc on va manger ça et on va essayer d'aller au spectacle du Roi Lion et donc là il y a le petit beignet. T'es contente? Oui, je vais régaler.
maintenant je vous reprends un peu. Du coup, finalement, on n'a pas été voir le spectacle du Roi Lion à la première séance parce que c'était complet. Du coup, on a été manger à côté au Cowboy Cookout. C'est arrêt obligatoire pour manger là-bas le midi, pour manger des bons ribs et du poulet et surtout la tarte au pécan comme je vous ai filmé en juillet dans le vlog. Et du coup, après, ça tombait pile poil pour aller voir le spectacle du Roi Lion. Du coup, là, on était à l'avance. Du coup, on a pu aller le voir. C'était magnifique. Ça dure 25 minutes. Et franchement, faites-le. C'était complètement magnifique, les couleurs, la musique, le son. Et moi, je l'avais déjà vu une fois. Et pour ma copine, c'était la première fois. Mais je pense qu'elle a adoré, vu qu'elle pleurait. On va aller lui demander. Ça y est ? Ouais. Alors, le spectacle, t'as aimé ou pas ? C'était magnifique, super beau, ouais. Trop coloré, les chansons super belles. Tu t'es fait que pleurer ? J'ai fait que pleurer. Et du coup, on va se balader un peu. Et voir si on peut faire quelques attractions. Comme il y a pas mal de monde, je pense que je vais faire 70 minutes de queue. Donc on va voir ça. C'est clair là, on a passé 80 minutes, c'était horrible, il y avait énormément de monde, mais bon, c'était cool. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, ma copine ne l'avait jamais fait. Et comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, elle a perdu, du coup là elle est boule, elle ne veut plus me parler. Mais bon, c'est normal, c'est la première fois qu'elle le fait, elle ne sait pas les techniques cachées pour avoir un demi-score. Mais bon, et là on se dirige à Star Tour, on va essayer de le faire, parce qu'elle ne connaît pas. Là il est 17h30, du coup il nous reste 45 minutes avant la parade. Du coup on va aller vers Fantasyland voir si on peut faire quelque chose. Et sinon se balader et après on va aller voir la parade de Noël qui est à 18h15. Et en plus apparemment c'est la version illuminée de nuit avec des LED, donc ça va être magique. Thank you.
coup, on est venu se balader à Liberty Arcade pour voir quelques boutiques, comme à Emporium, parce que ma copine mais elle voulait faire les boutiques avant le spectacle. Et du coup, mais là, l'heure approche là pour manger. Du coup, je pense qu'on va aller à Fontainebleau parce qu'on a fait le tour sur l'application. Et il n'y avait que ça qui était quasiment ouvert et qui nous intéressait. Du coup, en plus, j'ai vu que ça avait changé, ça, c'est plus des formules, c'est à la carte. Du coup, ben, on choisit le plat, les entrées et le dessert. Et j'ai vu que maintenant, c'était des burritos. Du coup, il y a burritos au poulet, végétarien et bœuf. Il y a des tapas comme des nachos, des trucs comme ça. Et en plus, j'ai vu qu'il y avait une margarita avec de l'alcool, du coup, je sais pas, j'ai envie de goûter ça pour changer. Parce que l'alcool à Disney, ben, c'est rare. On va aller tranquillement à Fontainebleau. On va manger, comme ça va être rapide. Ça reste quand même un type fast-food. Comme ça, pas la peine d'attendre longtemps. Et après, ben, ça va être le spectacle. Hein. Donc, allez, on va se retrouver à Fontainebleau. Bon, mais du coup, là, il est 21h. Du coup, on s'est arrêté pour manger avant d'aller voir le spectacle nocturne. Du coup, ben, on a pris des burritos. Du coup, on a fait un burritos au poulet, un burritos au bœuf. On va monter la margarita avec de l'alcool, et des nachos, ça c'est simple. Comme ça, c'est vite fait. Et après, comme ça, on va aller voir le spectacle nocturne. En chacun de nous, sommeille un esprit rêveur, une âme d'enfant qui ne demande qu'à s'amuser et à changer le monde en un lieu magique où les rêves deviennent réalité.
les amis, on se quitte ici pour aujourd'hui. Je suis à Disney Village, on a fini la journée, là il est 23h passé. Du coup, ben, on profite un peu, on se balade, on regarde les boutiques et on regarde les stands qu'il y a pour le sort de marché de Noël. Du coup, on a fait un petit vin chaud et il est super bon. Et, du coup, ben, ça c'était la partie 1 de la première journée du séjour. Du coup, demain c'est la journée 2. On va faire, je pense, que le Walt Disney Studio parce qu'on doit partir ben, un peu plus tôt pour choper notre train qui nous ramène à Bordeaux. Donc la journée va être plus courte demain, mais je pense que je vais la rajouter dans ce vlog quand même. Du coup, il y aura la partie 2. Mais je pense faire une vidéo à part pour le restaurant de Ratatouille, le bistrot Rémi, parce qu'on a réservé et on va manger là-bas. Donc pourquoi pas faire une vidéo différente, une vidéo sur le restaurant, montrer l'ambiance, les décors et ce qu'on y mange, si c'est bon, si c'est pas bon. Et j'ai jamais goûté, c'est un des seuls que j'ai pas fait, donc ça peut être intéressant. Moi je vous laisse là, on va continuer et on se retrouve demain et dans quelques secondes pour vous pour la suite du vlog. Allez, ciao. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du vlog. On est le jour 2, on est au parc Walt Disney Studio et là il est 9h du matin, on s'est levé tôt pour être à l'ouverture vu qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et du coup, ben, là on vient de rentrer et je pense qu'on va aller faire Nemo direct parce qu'il y a déjà pas mal de monde vu qu'il y a tous les gens des hôtels. Et bon, ben, on va se retrouver à l'intérieur, je vais vous filmer ça. Ce parc, je l'aime beaucoup aussi, même s'il a perdu son âme du cinéma qui était le sujet principal à l'ouverture. Mais bon, j'aime quand même venir ici et filmer les coins intéressants qu'il y a. Donc on va se retrouver à l'intérieur. Allez, c'est parti. On n'a pas fait Nemo parce qu'il y a 100 minutes d'attente, mais on fait les tapis parce que c'est mieux. Nemo, spot. On sort de l'attraction Cast Road Trip et comme j'avais dit sur mon blog précédent, c'est mignon, c'est à faire. En plus on a attendu 2 minutes, du coup ça fait plaisir de ne pas attendre des heures et des heures. Et le canyon, c'est toujours impressionnant à voir. En plus ma copine, elle ne connaissait pas. Du coup, est-ce que ça t'a plu? Oui, c'était bien. Et du coup, là on s'est arrêté au stand qui est juste dehors là, avec le sponsorisé des vaches Kirill. Comme c'est l'hiver, c'est de saison, il y a une soupe à la châtaigne et un truc messieurs, du coup on a fait ça pour faire le petit déjeuner et après on va se retrouver, je pense qu'on va essayer de faire encore des petits trucs et voir si la file d'attente de Nemo s'est évolue ou pas, parce que là 100 minutes c'est hors de question.
mal de choses quand même. On a été faire 4 roues rallye. J'avais jamais fait, bon c'est un peu pour les enfants. Mais bon, au moins on avait. C'était 10 minutes, du coup on l'a fait. Ouais, c'était marrant. Après on a été faire le dessin à l'Académie de dessin. C'était pas mal, on a dessiné Mouchou. C'était cool. C'est une académie qui dure à peu près 20 minutes. Et du coup on vous apprend à dessiner un personnage, c'est tiré au sort. Nous on a eu Mouchou. Celui d'avant, il faisait Mickey. Ouais, avant c'était Mickey. Et nous on a dû faire Mouchou, c'était un peu plus compliqué à mon goût, mais bon, on a pas mal réussi. Après ça, on a été déguster quelques snacks autour des cabanes de Noël. Qui a. Au niveau de Ratatouille. Au niveau de Ratatouille, ouais. Du coup, on a pris du vin chaud, des marrons, un parmentier de canard et du saucisson. Du coup, c'était juste pour patienter, vu qu'on a le resto assez tard. Et du coup, après ça, on a été à voir le spectacle de l'Avenim Factory, du coup que j'avais fait cet été, mais ben, c'est toujours un plaisir parce que même si c'est un peu pour les enfants, parce que je connais pas tous les personnages, comme c'est Disney Channel Junior, mais sinon c'est toujours aussi magnifique, les effets visuels, les couleurs, les chansons, donc ben, ça c'est à faire aussi. Et après ça, ben, on a été faire Nemo, il y avait 100 minutes d'attente, mais bon, ma copine voulait le faire parce qu'elle connaissait pas et c'est un truc à faire absolument. Du coup, ben, on a pris notre mal en patience, on l'a fait. Parce qu'après, ben, franchement, ça vaut le coup. C'est juste dommage qu'ils aient pas trouvé de système pour faire des files d'attente plus courtes, quoi. Parce que c'est vraiment chiant, quoi. 100 minutes, c'est horrible. Bon. C'est comme ça. Et là, mais on va se diriger à notre restaurant parce qu'on a réservé, comme j'ai dit hier, table au restaurant de Ratatouille, chez le bistrot chez Rémi. Du coup, ben, la vidéo, je vais l'arrêter là. Parce que comme je vous avais promis, ben, j'allais faire une vidéo sur le bistrot de Rémi. Et du coup, ben, je vous reprends juste en sortant du restaurant. Allez. On y va, ciao. C'est la fin du séjour, la fin du vlog. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de faire une vidéo assez condensée pour vous montrer les décorations de Noël. Et franchement, c'était magnifique. J'espère que ça vous a plu. Et avec toutes ces illuminations, en plus, ça fait plaisir bah, de retrouver le feu d'artifice. Je vous ai filmé ça. Franchement, après 2 ans, bah, ça manquait. Et après, bah, je vous ai filmé aussi bah, le parc studio. J'espère que ça vous a plu aussi et ça vous donne envie de venir. Moi, j'essaie de venir 2 fois par an, vu que j'ai le pass annuel. Et c'est un bol d'air, ça change les idées, ça coupe mais du reste du quotidien, donc c'est génial pour ça. Et si ça vous a plu, ben, j'espère que vous me lâchez un like, un petit commentaire, même un partage si vous pouvez. Ça m'aide énormément, parce que j'essaie de grandir petit à petit, mais bon, c'est compliqué, avec ben, l'algorithme de YouTube et tout ça. Et j'essaie de m'améliorer, de vous présenter des vidéos, mais de plus en plus de qualité. Donc j'espère que vous appréciez ça et donc vous savez quoi faire pour me soutenir. On se retrouve pour une prochaine vidéo, que ce soit Urbex ou aventure ou voyage. Donc on se retrouve bientôt et portez-vous bien. Allez, ciao !